Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne YouTube, de nouveau moi, Rose Mooney. Avant de regarder cette nouvelle vidéo, si jamais vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas la cloche de notification, comme ça vous serez toujours au parfum de nouveaux contenus très intéressants. Sachez que ceci est l'une des herbes les plus importantes que vous puissiez trouver, tout comme le roi des herbes qui soigne plus de 289 maladies, hein, dont j'en ai pas mal parlé dans mes vidéos. Ceci soigne. Il y a peu de gens qui le savent malheureusement et ne profitent pas des avantages de cette plante. Saviez-vous que l'origan est largement utilisé en cuisine méditerranéenne? En plus de ses objectifs médicaux, l'origan est recommandé pour améliorer le contrôle glycémique chez les personnes atteintes de diabète, mais aussi il réduit le cholestérol et prévient le cancer du côlon. Ceci va vous aider à lutter contre les maladies comme la constipation, l'hyperthyroïdie. L'origan présente différentes propriétés selon son usage interne ou externe. En usage interne, c'est un bon digestif, bon expectorant, anti-inflammatoire, antiseptique, bon pour les voies respiratoires. C'est aussi un puissant antioxydant pour votre appareil circulatoire. En usage externe, c'est aussi un puissant anti-inflammatoire. À des avantages analgésiques, l'origan sec est parmi les aliments riches en fibres, aide à favoriser le transit intestinal, aide également à contrôler l'obésité, aide également à lutter contre les maladies comme l'hyperthyroïdie, est bénéfique pour vos yeux. Cela va améliorer la vue chez vous, peut vous aider dans la prévention de la maladie de Parkinson, contribue à la coagulation correcte de votre sang. Vous qui souffrez d'une hypercoagulation, vous pouvez aussi utiliser ceci pour les spasmes, les troubles de la digestion intestinale, les problèmes d'estomac, la maladie du foie, pour l'expulsion des gaz intestinaux, aide à réduire les symptômes du rhume, la bronchite. Vous pouvez aussi l'utiliser pour réduire le cholestérol chez vous, pour prévenir le cancer du côlon, lutte efficacement contre les douleurs des règles, hein, les menstruations, facilite la vidange de votre estomac. C'est l'une des plantes avec des composés les plus antioxydants qui soient. Donc ça va tout simplement vous aider à rajeunir votre peau. Sachez aussi que les propriétés de l'origan peuvent être utilisées dans le traitement du sida, oui, ou même les cancers. Ceci pour améliorer le contrôle de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète. Ça va aider à favoriser la circulation sanguine, d'améliorer et de bien irriguer votre cerveau. Cette plante pourrait aussi vous aider à améliorer votre mémoire. Et bien sûr, ceci d'après les résultats effectués chez plusieurs animaux. En utilisation externe, ceci peut être utilisé pour désinfecter les blessures, mais en même temps, leurs propriétés analgésiques, cicatrisantes vont simplement éliminer les douleurs chez vous. Ça vous aidera à vous rétablir plus rapidement et ça va favoriser la bonne cicatrisation de vos blessures. Un bon remède contre les douleurs, contre les inflammations causées dans les articulations, pour les rhumatismes, ça va lutter contre l'amygdalite et les angines dans la mesure où son huile essentielle est utilisée. Ceci peut aussi être utilisé principalement pour améliorer le psoriasis, hein, les problèmes de peau, en cas de piqûre d'insectes, appliquer directement sur la peau, en cas d'extrême douleur, de dermatite. Pour vous qui avez des douleurs dentaires, pour la douleur de la molaire, utilisez aussi l'origan. Pour la cellulite, faites ceci en massage et en cataplasme pour soulager cela. Vous allez halluciner. Les inflammations, les courbatures musculaires, les entorses, le rhumatisme, l'arthrite. Appliquez-le en massage externe, surtout son huile essentielle. Sachez que l'origan a beaucoup d'avantages. C'est un excellent remède maison pour lutter contre toutes sortes de champignons, à la fois en interne et en externe. Pour
pour les troubles digestifs, le foie, les gaz, prenez simplement cela en infusion après chaque repas. L'origane nettoie et élimine les toxines sans effet secondaire. Et bien sûr, pour toutes ces maladies, si jamais vous voulez en savoir plus, la posologie, la façon de prendre les doses qu'il ne faut pas dépasser, je vous invite simplement à vous rendre sur le site wishfrance.com. Là-dessus, vous tapez origan compact et là, vous aurez toutes les informations à ce sujet. Bien sûr, vous pouvez directement vous procurer ce produit sur Amazon aussi. Il nettoie et élimine les toxines sans effet secondaire à dose recommandée. L'origan est une plante additive. Oui, en trop grande quantité peut provoquer à coup sûr une overdose chez vous, ayant pour conséquence des agitations, l'hyperesthésie, l'exagération des stimuli tactiles, donc vous devenez hypersensible, la dépression, la somnolence ou même l'excitation cardiaque due aux effets stimulants de votre huile essentielle. Sachez aussi que certaines personnes sont sensibles à cette plante et peuvent avoir des réactions défavorables. Les contre-indications de l'origan. L'origan comme plante peut être utilisé en cas de grossesse, mais à d'infimes doses et surtout à des doses recommandées. Cependant, sachez que cela peut accélérer le travail ou même provoquer des avortements spontanés chez vous. Je vous déconseille donc d'utiliser cette huile essentielle pendant la grossesse ou même pendant l'allaitement. L'huile essentielle d'origan seule ne doit en aucun cas être ingérée, il est trop puissant. Comme on le dit, même si cela n'a pas été prouvé, cela peut être un danger pour les nourrissons. Je vous le déconseille donc vivement, surtout si vous allaitez des petits bébés. Son contenu en phytate, qui empêche l'absorption de fer, n'est donc pas adéquat pour les personnes qui souffrent d'anémie. Rappelez-vous, nos remèdes sont destinés à vous aider à trouver des solutions naturelles et à être informés. Mais il ne devrait en aucun cas remplacer une consultation médicale. Donc voilà, si cette vidéo a été utile pour vous, mes amours, n'hésitez pas. Partagez avec vos amis, la famille, les connaissances, toute personne que cela pourrait aider. Ça permet de promouvoir la santé et le bien-être naturel. Bisous, bisous.